Tiens, le professeur Malcolm. Vous venez échanger des souvenirs du bon vieux temps avec mon oncle ? J'y étais, je sais ce qui s'est passé, et vous aussi. Ingen est sous ma responsabilité maintenant, professeur. Je défendrai jalousement ses intérêts. Là, vous aviez raison et j'avais tort. Vous vous attendiez à m'entendre dire une chose pareille. Isla Nublar n'était qu'une vitrine destinée aux touristes. L'usine était sur le site B, qui était sur Isla Sorna. Il y a quelques semaines, une famille anglaise, lors d'une croisière, est tombée par hasard sur l'île. Les administrateurs se servent de l'incident pour me retirer le contrôle d'Ingen. Bon, d'accord. Eh bien, il y a une autre île avec des dinosaures, sans clôture cette fois-ci. Et vous voulez envoyer des personnes dessus? Je vais avoir besoin d'un vrai dossier photo de tous ces animaux. Vous n'avez pas contacté Sarah? Elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Et l'équipe de recherche va... Ce n'est plus une expédition de recherche maintenant, c'est une équipe de sauvetage. Et elle part maintenant. Je ne peux pas raccourcir le délai de 3 jours et me demander que tout soit prêt. Je ne suis pas approvisionné. J'ai pu tester aucun de ces appareils. Oh, j'en ai plein la bouche. C'est censé être vert. L'idée, c'est que les dinosaures ne nous voient pas. À moins que tu veuilles te faire bouffer par un T-Rex. Mais j'ai rien fait, moi! Bon, en voiture. Ok, conduisez-moi ces véhicules sur les quais! Maintenant, il faut s'occuper de ce labo mobile! Allez, on se dépêche! Hé, hey, regarde où tu vas! Merci de m'avoir prévenu, Eddie. Nick Van Owen, voici Ian Malcolm. Nick est notre photographe, et Ian est notre... Ian. Merci. C'est un cache en l'air. Un cache en l'air, tu comprends? Il monte et il te cache. En l'air. Avec les dinos, ça risque d'être un mort en l'air. Ma chérie, t'as trouvé? T'as été long. Désolée, je trouvais pas de place. Oh, c'est pas grave, ma puce. Bon, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Il faut que je te parle. Et d'abord, où est-ce que tu vas? Oh, c'est juste pour quelques jours. Je n'irai pas si ce n'était pas... Professeur Malcolm. J'ai placé un localisateur dans le téléphone par satellite du professeur Harding. On a une lecture. Oh. C'est magnifique. Oh oui, ouh, ah, ça commence toujours comme ça. Et puis après, bah, y a les sauve qui peut. Ces images sont incroyables, légendaires. Hey, Nick! Ah. J'en ai cru dans mes rêves, le plus fou qu'un monde puisse te faire venir ici. Salut, Eddie. Salut, Sarah. Oh, oh, oh. Les animaux qui viennent de passer, tu as vu? C'est un groupe familial. Si je pouvais photographier lui, je reviens. Sarah, non, non. Restez ici. Sarah. Elle est beaucoup trop près. Sarah!
Il y a le feu au campement! Non, l'eau fait trop fumée. Mettez de la terre. Qui a fait ce feu? Je voulais juste vous faire à dîner. Je voulais qu'en rentrant, vous ayez la surprise. Oh, Kelly, Kelly, tu n'as pas idée de ce qui se passe ici. T'as vraiment fait tout le voyage en caravane? Je piche pas, là. Il y a écrit InGen sur le côté de cet hélicoptère. Je piche pas, là. Pourquoi Hammond enverrait deux équipes? Cet endroit n'est pas plus mauvais qu'un autre pour le camp de base. C'est une piste de gibier, monsieur Ludlow. Si vous voulez que j'organise votre petit safari, c'est moi qui... D'accord. Dieter, en position de siège extérieur, tu t'approches. La grosse cambrousse, la banane d'Elvis. Des jouets super high-tech qu'ils ont là. Pour être clair, InGen est à la recherche d'associés pour partager les frais d'expansion du projet. Mais on ne fait pas venir les gens de l'autre bout du monde pour visiter un zoo. On amène le zoo chez eux. Monsieur Hammond le savait. Avant d'avoir jamais rêvé à une île, il a commencé la construction d'un amphithéâtre. Et San Diego est le parfait endroit. L'installation pourrait être bouclée et prête à recevoir des visiteurs dans un mois. Ils veulent sortir les animaux d'ici, vers le continent. Il faut que je vous dise, Hammond m'avait prévenu que ces gars-là pouvaient venir. Il a renvoyé un plan de renfort. C'est quoi le plan de renfort? Moi. On pourrait dire que l'histoire s'est mise en marche. Il a une patte cassée, on va le mettre dans la voiture avant qu'il nous entende. Mais t'es complètement dingue! Est-ce que tu as une idée de ce que tu tiens? Allez, ouvre la portière. T'es dingue! Maman est très en colère. Ça va faire un chapitre intéressant pour ton bouquin. Blessé. Qu'est-ce qu'il vous faut? Trois doubles cheeseburgers avec du ketchup. Sans oignon, le mien. Et pour moi, pas trop saignant. Les moyens de communication ont été détruits. Nous sommes coincés ici, mesdames et messieurs. Coincés ensemble, et ceci grâce à vous. Au moins, nous sommes venus préparés. Il y a un centre de communication ici, dans l'ancien centre des opérations. Si on peut l'atteindre, on pourra contacter notre transport aérien. Le centre des opérations se trouve juste ici. À 2,5 km du bas de ces falaises. On va les laisser dormir encore une heure. Qu'est-ce que c'est que ça?
Attendez, attendez! Regardez, je crois que c'est le sac d'Ajay. Sans vous, je me serais fait citouiller, trucider. J'aurais passé l'arme à touche. Ils disent que le centre de communication est dans le centre des opérations. Alors je vais y entrer et lancer l'appel radio, d'accord? On se retrouve là-bas. Attends-nous. Chaque seconde compte, s'il y en a qui veulent me suivre, ils sont les bienvenus. Nick! Nick! Nick Van Owen! T'en virer de l'équipe de Jim? Allez, en route, en route! Il doit y avoir d'autres survivants! Il y a un autre hélico qui arrive! Il y a 15 ans de cela, John Hammond a fait un rêve. Eh bien, dans une demi-heure, le rêve de John Hammond, réimaginé, va se réaliser. Ce soir, nous baptisons Jurassic Park de San Diego avec une méga attraction. Le bateau, il arrive. On avance. Non, non, lâchez ça! On va avoir besoin d'un plus gros bateau. Tout le matériel pour le maîtriser est ici. Il faut le ramener au port. Où est le petit? Dans un abri protégé. Pourquoi? Où est cet abri? Comment on va trouver l'adulte? Y'a qu'à suivre les cris.
En route. Allez. Où est le T-Rex? Il est toujours derrière nous. Professeur Malcolm! Qu'est-ce que vous en avez fait? Je veux ce petit. Oh, tu es là.